Bienvenue à tous, quelle émotion de vous retrouver pour ce quart de finale. On est bien sûr dans la plus grande compétition du monde. Ils ne sont plus que 8 équipes, 8 nations, 8 rêves de gloire immense. Il y aura forcément des déçus aujourd'hui. L'enjeu est magnifique, le monde entier regarde ce match qui va commencer dans quelques secondes. Anfield est survolté, le public attend avec impatience de voir sortir son équipe du tunnel. Aucun des deux sélectionneurs n'a voulu assumer l'étiquette de favori dans cette rencontre. C'est de bonne guerre. Oui, je pense que les entraîneurs font tout leur possible pour que leurs joueurs restent concentrés et imperméables à la pression. C'est compliqué dans ce genre de compétition, surtout quand on joue une place en demi-finale. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. À votre avis, Darren, qui fera la différence dans cette rencontre? Je pense à Toni Kroos. C'est vraiment un milieu de terrain moderne. Ses passes sont souvent parfaites et elles amènent souvent des buts. Et c'est vrai que son équipe comptait. Ça peut être dangereux! Oh, quel bel arrêt! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. C'est dégagé, loin devant. Il sait attaquer, ça on savait, mais il sait aussi défendre. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Le ballon dans la profondeur. Dans la surface. Il ne se pose pas de questions. Rabiot. La France qui essaye de construire. Tactiquement, c'est quand même pas mal ce qu'ils essayent de faire. De passer par les ailes, vous voulez dire? Oui, mais la frappe! C'était bien joué! Dommage! Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Sané. Sané. Dembélé. La France qui ne compte toujours pas de tir cadré dans ce match. C'est joué long, attention. Il est à distance de tir. Rien à dire, c'était propre. Et le ballon est sorti, touche. Le ballon dans la... Et la tête! Sauvé par Sabah. Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon, sauf le dernier geste. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Toni Kroos, qui a un peu d'espace. Il relance, côté droit. Dans l'espace. Oui, bonne intervention de la défense. Et c'est directement récupéré. C'est dégagé loin. Lemar. Il cherche la profondeur. Il glisse le ballon en profondeur. Un centre. Il frappe. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Ah, ça aurait pu faire mieux. Je ne sais pas passer loin. Mendy qui cherche la profondeur pour Lemar. Il joue dans l'espace. La passe est précise. La belle interception. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Il passe en retrait au gardien. Sané pour trouver la faille dans la défense. Il allonge. C'est dégagé. Oh.
Il tente de la jouer dans l'espace. Hors jeu. Ah, quel dommage, l'idée était géniale. Rabiot. Mendy. Lemar. Il a trébuché sur cette intervention. Mendy, bien servi sur le côté. Bien joué ça. C'est envoyé dans l'axe. Bonne intervention du défenseur, ce sera un corner. La tête. Ça s'est joué à rien. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Ce jeu de passe, quel régal! C'est un ballon offert à l'adversaire. La passe en retrait vers son défenseur. Toni Kroos qui a de l'espace. Pour Sané. Il va frapper! La passe dans la... Ça peut faire mal! Oh, c'est un arrêt important, ça! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Quelle détente! Ça va au fond, c'est but! Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait! Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu, mais il est inarrêtable. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Oh, le bon ballon. La tentative. Et ça rentre. Et ce but pourrait tout changer. Et ils sont de retour dans cette rencontre. Face au but, démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. C'était une première période très agréable, on a vu deux buts, des occasions et tout reste à faire dans la seconde partie. L'égalisation a vraiment relancé ce match. Il me semble qu'on signerait tous pour une seconde mi-temps aussi captivante que la première, n'est-ce pas? Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score, hein, partout. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué, le match vient tout juste de reprendre. On a bien vérifié, les entraîneurs n'ont procédé à aucun changement à la mi-temps. Il tente de la jouer dans l'espace. Un centre. Faut s'appliquer sur ce genre de centre, il y avait pourtant plein de joueurs disponibles dans la surface. Toni Kroos. Royce. C'était une bonne intervention. Pour trouver la faille dans la défense. On joue sur l'aile, il est servi. Il y a peut-être un coup à jouer. Récupération sans se livrer, c'est bien joué. Il allonge vers l'avant. Il préfère jouer avec son gardien. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est joué long, attention. Toni Kroos, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Royce. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. C'est osé. Et ce sera une faute. Et ses coéquipiers qui se rassemblent autour de lui, ils ont l'air inquiets. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Va-t-il en profiter? Là, il peut centrer. Le centre de la tête.
Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré. Oh, que c'est dur, c'était une occasion en or. L'ouverture sur le côté. Il joue dans l'espace. C'est bien donné. Oui, il peut frapper là. Ah, dommage, ça ne passe pas loin. Ah, ça aurait pu faire, mais je ne sais pas passer loin. Il glisse le ballon en profondeur. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Sané, qui est bien placé, c'est joué long. Attention, il y a danger. Sané! Oh, l'occasion! Joli tir, ça méritait d'aller au fond. C'est joué court, à deux. Maintenant, le centre. C'est joué long. Long ballon vers l'avant. Et il tombe sous la pression. Jérôme Boateng qui concède un coup franc. Il joue dans l'espace. Il est tout seul. Oh, la frappe! But pour la France! Voilà la situation complètement inversée. Bah, il est presque chambreur dans sa finition. Tout a l'air facile avec lui. Quel instinct de buteur. Les voilà avec un petit but d'avance. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui... Oh, la frappe! Oh, le gardien est là, la classe! Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. L'Allemagne qui peut avancer. Allez. La passe dans la profondeur. L'arbitre signale une faute. Le bon dégagement. Il a stoppé l'attaque adverse. Oh, voici Sané. Avec Dembélé. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien donné. Dans l'axe. Le gros dégagement. C'est joué long, attention. La France. Énorme occasion. Et ça fait but. C'était le moment parfait pour marquer. Il faut tenir maintenant. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. Ah, il est très malin sur ce coup-là. Il profite aisément de la défense. Il est parfait. Cette compétition lui réussit bien, il en est à 5 buts désormais. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu, alors il valait mieux le sortir maintenant, plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Bien, c'est reparti, et il y a maintenant 2 buts d'écart. Sané. Il joue dans l'espace. Il peut frapper. Rabiot qui récupère ce ballon. Ça peut partir en contre. Une poignée de secondes laissée par désormais d'une place en demi-finale. Belle passe lobée. Sané. C'est Sané qui... La frappe, attention. Pas de faute. Taclé dans la surface. Pénalty. Décision totalement logique, c'est confirmé par les images. Et voilà, il réduit le score sur ce pénalty. Oh, c'était important et il n'a pas tremblé. Il savait ce qu'il allait faire depuis le départ et il a exécuté parfaitement. Toni Kroos. Non, c'est le deuxième but dans cette compétition. Alors là, toutes les conditions sont réunies pour une fin de match explosive. Raphaël Varane. C'est bien fait, ça.
Ça joue à gauche. Oh, l'interception! Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. L'arbitre consulte son chronomètre. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. Pour trouver la faille dans la défense. Raphaël Varane, il a de l'espace. Le centre dévié par le défenseur, ce sera un corner. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il décide d'allonger le jeu. L'arbitre siffle, le match est terminé. Oh, la grande aventure continue. Quelle belle histoire, les voilà qualifiés maintenant pour les demi-finales. Incroyable ce retournement de situation. Vous avez une explication? Je dois avouer que je ne l'ai pas vu arriver et j'ai encore du mal à... Bienvenue à vous tous, j'imagine que vous êtes très impatients de vivre ce match en notre compagnie. C'est une place en finale qui se joue aujourd'hui. Quelle aventure on a vécu tous ensemble. Des éliminatoires au frisson du tirage au sort, des phases de groupe au match couperet. Et maintenant, deux équipes qui vont tout faire pour franchir cette dernière marche avant l'ultime match de cette compétition. C'est une place en finale qui est en jeu et ça commence dans quelques secondes. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Incroyable, quand on y pense, il ne reste plus qu'une étape avant la grande finale. Faut tirer là! Et une nouvelle fois! But pour la France! Et c'est un but très très important! Et l'ouverture du score pour la France! Oh, l'opportuniste! Et quelle efficacité! Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue! Il en est désormais à 4 buts dans la compétition. Voilà le match définitivement lancé. Il glisse le ballon en profondeur. Il la remet dans l'axe. L'ouverture lumineuse. Lopez. La France qui cherche l'ouverture. Quel timing dans l'interception. C'est joué long, attention. C'est bien fait ça. Le centre tendu. Un grand dégagement le plus loin possible. Martial. Il joue dans l'espace. On joue sur l'aile, il est servi. Lopez qui perd l'équilibre. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il écarte, ça joue long. Pour trouver la faille dans la défense. L'Espagne qui nous fait un peu du tiki-taka aujourd'hui. Oui, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs. C'est pas faux. Moi j'aime bien ce jeu basé sur la possession, quand le ballon circule vite et bien. C'est presque hypnotisant. Allez savoir Darren, si ça se trouve, il est coqué. C'est dégagé. Isco. Sergio Busquets, la France est vraiment bien rentrée dans cette rencontre. Il mène donc 1-0. Maintenant, le centre. Sergio Busquets. Saoul,
Sergio Busquets. Pour Marco Asensio. Il met le pied, ballon récupéré. La faute. Voici Marco Asensio. Ce sera un coup franc, bien sûr. Mendy. Lopez. Raphaël Varane. La passe dans la profondeur. Et c'est intercepté. La défense tient bon. On est à la demi-heure de jeu, ou quasiment. Dembélé. Il ne se pose pas de questions. Griezmann. Marco Asensio. Isco. Tant qu'on le garde dans au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Va-t-il en profiter? Bien joué, ça. Raphaël Varane. On approche de la pause avec ce léger avantage. Lorsqu'on mène 1-0 et que l'adversaire n'a pas tenté le moindre tir, eh bien, on peut attendre tranquillement la pause. Lopez. C'est joué long, c'est dangereux. La France qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de la mi-temps. Allez, ça peut faire mal. Il est passé. Un centre au coup. Quelle occasion, attention! Et ça finit au fond! Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Ils ont complètement déboussolé leurs adversaires avec ce 1-2. Une magnifique action collective. Il en est maintenant à 6 buts dans la compétition. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. Isco. Il tente de la jouer dans l'espace. José Gaya. Qui est bien placé. Oh, voici Isco. Raphaël Varane. Dembélé. On a atteint la mi-temps de cette demi-finale. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Et le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Umtiti. Martial. Il glisse le ballon en profondeur. Il est tout seul. C'est parfait, magnifique. Bien servi. C'est joué long, attention. Il tente sa chance. Là, il peut centrer. Ce ballon dans l'axe. Ça ne passe pas. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Dans la profondeur. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Il a trébuché sur cette intervention. Le jeu repart vers la droite. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Griezmann, la relance côté droit. Elle continue sa course. Il y a peut-être un coup à jouer. Et bon centre dans la surface. La bonne passe. Hector Bellerin. La France qui mène 2-0 si vous nous rejoignez. Sergio Busquets. José Gaya avec Saúl.
Dembélé qui récupère le ballon. Il était temps pour trouver la faille dans la défense. Il a du champ sur le côté. Dans l'espace. Il réussit à glisser ce ballon dans l'espace. Ce sera trop court. La passe dans la profondeur. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il prend sa chance. C'était une grosse occasion quand même. Je me demande encore comment le gardien l'a arrêté. Martial, il joue dans l'espace. Griezmann qui choisit le côté gauche. Griezmann reçoit le ballon. Centre à ras-de-terre. Oh, l'interception. Oh, quel caviar. L'arbitre signale une faute. Alors, ce sera un coup franc à la limite de la surface. D'ici, il peut très bien tenter une frappe directe. Et on va peut-être avoir droit à sa spéciale. Frappe directe. Oh, le but. Le geste parfait. Quel bijou. C'est tout simplement incroyable. Magic. Voilà qui met son but un terme définitif à tout suspense. Oh, quel geste, c'est magnifique. Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Après, rien à dire sur l'exécution. 7 buts, oui, je vérifiais, il en est bien à 7 buts dans cette compétition. C'est fort. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Bellerin. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Griezmann. Ce n'est plus du marquage, c'est du harcèlement. Vu qu'il a déjà marqué, il n'est pas impossible qu'il veuille remettre ça. C'est bien donné. Griezmann. Le gros dégagement. Oh, Raphaël Varane. Oh, voici Dembélé. Raphaël Varane, il a de l'espace. Il peut choisir de centrer. Premier corner dans cette rencontre. Il peut frapper. Et il rate le cadre. Oh, que c'est dur. C'était une occasion en or. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Oui, il était fini, crevé, carbo, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Voici Marco Asensio. Samu Casillero. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Il glisse le ballon en profondeur. Ouf, un peu d'air. Bonne interception, il y avait danger. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Ça joue à gauche. La passe dans la profondeur. Rien à dire, c'était propre. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. La passe est précise. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Il joue dans l'espace. Un peu d'air. Au départ, c'était une bonne idée d'aller percuter comme ça. Oui, mais il a joué un peu trop perso, là. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, le bon ballon. Le bon dribble. Il rejoue derrière lui. La frappe. Encore un but. Oh, le résultat était déjà assuré, mais il continue. Il continue. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Mendy, non, c'est le deuxième but dans cette compétition. Ce match est en train de devenir une véritable correction. Oh, l'occasion! C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du match. La France qui s'impose donc sans trembler dans cette demi-finale à sens unique. C'est l'heure du bilan, qu'avez-vous pensé de ce match? Eh bien écoutez, ils ont atteint leur objectif du jour en gagnant cette demi-finale. Tout le plaisir a été pour moi.